Bonjour, bonsoir à tout le monde. Bienvenue sur News Eli. Je dis à nous, te vle by autorité au palais. Tout ça est important dans le souci d'objectivité. N'a parlé de responsable dans l'ambassade pas bon ici aux États-Unis parce que il y a un pile monde qui parlait mais on voit très peu de vidéos côté que c'est eux même qui parlait tout pense que ça bail plus crédibilité parce que c'est eux qui a fait bail là on comprend so en pile là nous pense na parce que effectivement et permettre que communauté attendait sa responsable dit à pour bouchou gain importance dans le sens que li bail plus crédibilité. Et tout d'abord, yo fait annoncer là depuis hier que parti internet pour appliquer pour programme là est disponible en créole. Ça veut dire ou gen droit regarder loi venir en créole qui permet de comprendre ni pi bien n'a met en fait n'a regarder s'il ka mettre le link là dans vidéo à pour nous. Donc parce que ça c'est une première démarche, ça veut dire pour moun cap chercher comprendre li pi bien côté ka toujours traduit en créole, mon pas besoin traduire mais c'est montrer nous ça est bon question traduit c'est site website la même gen link là yo gen en créole qui ka permettre que ou même ou regarder pour compte tout ça que y a dit yo qualification et autres puisque en créole on ka comprendre li pi bien et c'est pour traduction lié c'est justement et page de USCIS parce que ça c'est premier travail qui est fait dans le processus pour vulgariser causer programme humanitaire ça et gagner tout nous pas faut attendre à fond garder notre vidéo mais nous pas attendre chargé d'affaires là Eric et Stromayor nous pas attendre discours que il était bail je crois ça fait gagner t'aller là comme ça fait publier discours que le bail côté qu'il t'a parlé de programme là penser que c'est des autorités oyé. Nous allons entendre audio ensemble qui ça et chargé d'affaires Eric Sotomayor qui trouvait lui justement et dans l'ambassade et des États-Unis qui en Haïti. Donc nous souhaitons que nous comprenions créole monsieur Anegla fait compte folle. On a entendu monsieur pendant 4 minutes et qu'a bonne nous explication parler en tant qu'autorité ça le dit soit. On entend et chargé d'affaires Eric Sotomayor. Hold on, guys. Moi, c'est Eric Stromayor. Moi, c'est chargé d'affaires de l'ambassade américaine en Port-au-Prince. Nous avons déjà entendu les États-Unis annoncer un nouveau collectif pour Haïtiens qui ont cherché à vivre et puis travailler temporairement dans le pays des États-Unis pour raisons humanitaires et gens. Nous sommes très contents de parler sur ce sujet. Ça. Premièrement, accès à ça totalement gratis. Ni mon cap pays pour, ni bénéficiaire, pas bien rien, je répète rien, pour y opérer le gouvernement américain. Pour qualifier pour le programme, il faut qu'il y ait un monde qui gagne un statut légal aux États-Unis, accepter ses propres. Supporter, pour commencer le processus. Et puis, l'IVA promettait pour l'aider ou financièrement, les arriver aux États-Unis. Supporter, recevra un email pour lui créer un compte MyUSCIS. Pour confirmer conditions de qualification, les bénéficiaires confirmer la recevoir instruction de USCIS ou télécharger l'application mobile CBP One. Non. En fait, nous entendons le cap parler de CBP One, l'explique depuis que tu as fait une supporter a fait confirmer et on a gain instruction dans email ou et le rappeler que forme là et pas ou pas un good pour payer pour forme là, bon, notamment et de façon professionnelle qu'a fait le pouvoir lui même en fait il chargé pour travail mais forme en soi le gouvernement pas pratiquement pas prend rien pour lui pour lui ta entrée les informations biographiques sur lui et puis pour lui pas aille en photo il a approuvé au camion bénéficiaire ou après ce quoi d'avance dans l'organisation pour voyager ou bien jusqu'à 90 jours 90 jours directement en aéroport aux États-Unis pour recevoir l'admission pour permettre ou habiter temporairement pendant 2 années. C'est bénéficiaire qui doit faire arrangement et puis payer et voyager.
bénéficier qui reçoit pas. Bon, ce séjour temporaire bien doit appliquer pour autorisation pour travail aux États-Unis. Cependant, monde qui déjà arrive aux États-Unis qui n'est pas capable d'appliquer au programme ça. Programme ça, c'est seulement pour monde qui vit en dehors des États-Unis. N'importe où qui entre aux États-Unis par moyen illégal, il y a peut-être un lieu dans le pays et puis il n'y a pas qualifié pour participer dans le programme. Pas risquer la vie ou autre soit intelligente pour participer dans le programme ça, dans le camp canté, ou soit dans essayer de traverser les frontières États-Unis, etc. Moins important, annoncer que il y a un site internet officiel, en clair, et expliquer le programme. Et puis, il montre où, qui j'en ou appliquer. Quittez le site internet qui a défilé en bas à l'écran pour joindre plus d'informations sur le programme. Créons parler, créons comprendre. Chaque fois où vous annoncez un nouveau programme, toujours il y a un monde qui veut profiter et abuser de l'autre monde. Un coup, un individu qui a expliqué m'imposer le trafic monde, qui prend le bail pour prétexte pour essayer de recruter des migrants. Dis-nous encore, pagayez en rien pour payer, pour bénéficier du programme ça. Pas coûter personne qui a demandé nous l'argent pour faire le programme. Nous espérons en pile haïtien pour profiter du nouveau chemin, l'État, ça, qui est sans danger pour régler votre programme. Nous espérons tout que personne ne pas victime dans la magueilleur saïe. Protégez tête, protégez ton vidéo. Vous pouvez seulement utiliser les sources officielles du gouvernement américain pour information sur le programme ça. Merci en plus. En fait, il y a une chose qui dit là et que nous-mêmes nous toujours dit, même lorsque nous parlons de ce sujet ça, nous toujours montrer des séries de pages officielles pour capable garder. Parce que c'est eux qui sont sous-officiels là. Moun capable faire compte vidéo TikTok voyez mais aussi officiel là c'est ambassade là et donc moi c'est que c'est lui qui garantit c'est lui que l'évangile au-delà de tout ça on a dit OK donc si moun dou gon bagage qui changer gon nouveau bagage whatever il est toujours mieux que le dou ban moins sous officiel là OK pour capable justement et vérifier donc et une bagage que nous pas parler sous lui et que yo conscient gen moun qui minimiser l'important c'est des groupes de monde qui ca utiliser programme ça pour acheter esclaves complètement interdit ça t'a veut dire monde dans ce nest li pa gen temps tout temps la travail li juste besoin au monde qui pour clean la cali fait toute bagaille li gen moyen gen cob li rentrer l'entre au monde juste on servante pour exploiter nous bien dire pour exploiter dans le sens que et moun sa travail, il pa paye même, vous comprenez même les nouvelles petit bon en Haïti. Il complètement illégal, il faut ça faire très attention. Et gen ça relé human trafficking non. Là on paye pour venir gagner esclave pour exploiter. Maintenant en clair, nous pas arriver dans niveau c'est compréhensible. Par exemple, un monde qui doit gon ma tante li ou bien maman en Haïti. C'est la famille, il dit la pantre maman pour venir de la petite li. Nous pas vraiment considérer ça comme une exploitation et d'ailleurs maman ça a tout c'est tout plaisir pour lui aider petit li. Et même là encore il y a une limite si on entre maman dans le sens que gon jon a traité le comprendre so just watch tel pour esclave li pas make sense OK et mais nous connaît en pile moni c'est vraiment un gros problème c'est que moun n'a pas gagné assez cob pour ta payer ça ne relé bon en Haïti ya. OK donc maintenant, si vous entrez en monde vraiment, c'est juste pour exploiter, pour faire tout le bagage pour vous, ou pas payer, il pas ensemble de moyens, vous pouvez considérer ça comme human trafficking. Vous avez nous clair et sous cause ça, vous mettez mise en garde sous cause ça. Et nous avons rappelé que Eric Stromayor, rappelez-nous encore, et utilisez sous officiel autant que possible dans sa cap véhiculé. OK? Utiliser sources officielles yo c'est vrai que les médias radio télévision les journalistes y a fait travail yo mais ça pas empêché ou faire des contre vérifications et d'autres points encore mes amis toujours gen moun depuis gon bagay comme ça tombé qui a utilisé pour exploiter des moun qui dit m'a sponsorizo ou pas même konn moun nan ou jwenn avèl sou Facebook Lidou Lab sponsorizo, voye kob, etc. It just pas make sense, ami pa. Oui, baby, oui. Lidou just pas make sense pour voye kob ba ou inconnu,
qui dit que l'app sponsorise ou la bagaille gen. C'est que gen des monde qui gen moyen qui ca sponsoriser n'importe 16 18 monde, mais on seul monde la sponsoriser tout monde ça, il va l'accepter tout. Donc faut nous comprendre logique ça tout, OK? So l'homme on nous dit on gen quoi pour sponsoriser 20 monde. Donc seul ou même il va bailler 20 monde. Et discrétion officielle même. Si officier prend 20 monde, il va un seul monde. Il y a un problème, il faut retirer le poste ça. Il y a un problème. Ou pas prendre seul monde et puis ou bal 20 positions. Mais pas bien pour l'autre. OK? So, je nous dis là encore une fois, faut nous rappeler la entreprise toujours autant que possible utiliser sous officiel yo. Même sur Facebook, gen page rele ambassade des États-Unis Port-au-Prince, son sous officiel lié. Non, ou charger contact en bonne bagarre pour informer. Mais faut que des fois on page comme ça, son page officielle, ou mettez le parmi page que vous suivi tout. OK? Parce que ça yo même pas gain doute là-dedans parce que c'est des informations qui sortit directement dans l'institution parce que tellement gain monde qui dit ça yo vrai, OK? So login on source, login des séries de moyens d'information qui sortit directement dans l'ambassade là, directement dans USCIS, on monde met d'où ça, le web dit hey, ça c'est USCIS qui dit ou bien ça c'est page Facebook l'ambassade des États-Unis qui dit ou pas cadeau dans cadre programme ça qu'on gain qu'on gain plus bon information que moun sa yo. Vous comprenez? So, c'est dans sens ça nous dit ça. Donc voilà guys, c'est justement nous te vle et gon vidéo les mal sous page ambassade des États-Unis Port-au-Prince là. Qui une vidéo de 35 minutes. Moi c'est que mon café nous garder le pont 35 secondes même côté que yo même yo a expliqué et processus pour haïtien qui ben nicaragouen. Même moi des séries haïtien qui a commenté sous ba ambassade là jusqu'à présent un moment parler avec ou là gen des haïtiens qui fait comprendre que c'est pays d'Haïti au besoin voler non mais nous juste pas comprendre so au pays nous besoin voler c'est comme si m'ta dit que pour haïtien I don't know c'est comme quoi toujours gon bagay pa derrière bon ça m'dou là et tout gens expliquer yo toujours connaît gens ouais pays d'Haïti et là c'est paradis même sous bluff. Quand ça paradis, bon pas vle moun vive là-dedans, moun a mouri, n'a kidnappé, nous toujours considérer comme là, et mais là ça bon même pas ka là-dedans dans moment là, là nous. Bon bon haïtien pas ka mettre pays là-dedans. Nous sous bluff là. N'a pas tête nous menti. Hein? N'a pas tête nous menti. Ou gon pays tête en bas qui va sous rien connu là, ou vle faire moun comprendre que et côté ça derrière là. Ou gen deux choix là, soit ba ISO et ti l'a appelé ou mettez au président, tout moun ça ou mettez au dirigeant. Ou bien ou faire une intervention pour retirer mais on pas grand ken là on va regarder rapidement et vidéo ça dans l'ambassade là qui avait expliqué processus là pense qui gagne plus crédibilité et une vidéo de 30 secondes qui dit exactement étape par étape. OK, n'a passé le pendant un petit moment donc c'est processus yo ma continue capable li ça bien rapide il dit et on annonce processus là. Pour participer, mais qui j'en ai, gagner un monde pour bailler support aux États-Unis et puis passer et réussir enquête de sécurité, ça est important. Et dit monde aux États-Unis, ils font enquête de sécurité sur lui. C'est ça le screening process. OK, vérifier que le pas gain mauvais background, que tout ça le dit vrai et ensemble de l'autre critère et montrer département qu'on qualifié et justement pour capable gon une décision favorable. Avec dit monde aux États-Unis, ils screening et tout, OK? Donc ça c'est étape pour appliquer yo 1 ou pour aller sur site là ou vérifier instruction yo ou de gain passeport mon nan et contacter citoyen en fait citoyen qui trouve aux États-Unis supposé légal bien entendu légal pas oublier que nous si mon nous gain et pending asile seulement pas suffit faut qu'on ta gain par exemple un pièce qui approuve s'il vous plaît et donc mon en Haïti avec mon aux États-Unis c'est lui même qui supposé commencer démarche. Donc vous parlez pour vérifier exigences yo ça demandé yo mettre information sur internet et contrôle biométrique et biographique ben là dit biométrique biographique c'est tout ça qui gagne rapport côté au fait des autres ça qu'arrive que yo fait fingerprint et pour monde aux États-Unis en tout. Donc voilà, c'est une vidéo bien courte justement côté que yo fait
qui parlait de processus. Donc voilà, nous t'ai justement voulu voter vidéo ça parce que nous t'ai voulu faire entendre l'autre son de cloche là tout qui c'est directement au niveau des ambassadeurs des États-Unis en Haïti a, parce que nous grand pile parole qui parlait mais nous pas presque tendez parole qui nous sorti dans bouche moun sa yo. Donc gen vidéo yo publié jodi à côté il t'ai parlé, donc nous t'ai tiens que pour nous bal font coup de parler tout dans parmi tout monde qui a parlé yo comme ça va gagner des informations qui sorti directement de la part de eux même. C'était un plaisir, bye bye tout le monde.